sublime Hera, divine mère, la très sage Athéna, le puissant Poséidon qui fait trembler le sol, la fervente Artémis dont on dit la visée si juste qu'elle peut transpercer le cœur d'un colibri, des cochons fardés, tous, je te vois là-bas. Approche, je t'attends. À moi ! Au secours ! Quelqu'un ! Tu n'es pour rien dans tout cela. Tu es une victime. Comme tous les mortels, nés dans ce fol atelier à ossements, vous n'êtes que des reflets tronqués d'un miroir brisé. Admire tes dieux. Celle-ci a tué 6 enfants innocents pour assouvir sa rage. Ils se querellent, sont rongés par l'envie, trompent, combattent et assassinent. Ils sont cruels, vindicatifs et égoïstes. Et, à l'instar du talon d'Achille, leur méprisable faiblesse les perdront. Je n'ai pas leurs défauts. Les autres sont tombés. Il n'en reste plus qu'un pour m'empêcher de rénover l'Olympe. Le plus perfide, le plus arrogant, borné et orgueilleux fils de Cronos, celui qui m'a enfermé sous terre. Le seul et unique Zeus! Ah, comme tu m'as manqué, Prométhée, mon cousin préféré. Tu m'as enchaîné à ce rocher et laissa un aigle me dévorer le foie. Mais c'est par amour. Oui. Tu as besoin de moi. Typhon est libre. Tu as jadis combattu aux côtés de ses alliés, les Titans. Persuade-le d'abandonner. Ce n'est pas si simple. Il entrave ma capacité à voir l'avenir. Je ne perçois rien par-delà sa seule présence. Vas-y. Foudroie-moi. Impossible! Il a pris mes éclairs. Il m'a tout pris. Même les autres dieux ont disparu. Tourne-toi vers les mortels. C'est fait! Ces parasites maléfiques, insipides, benés, ils ont tous été pétrifiés. L'un de ces parasites maléfiques sauvera ta royale carcasse. Ma carcasse, elle est à l'abri et elle n'a rien à craindre, t'inquiète. Et les humains ne seront jamais que des erreurs pitoyables. Es-tu prêt à en faire le pari? Si je gagne, ma faute d'avoir volé le feu et assuré leur survie deviendra alors une bénédiction. Tu trouves que ton châtiment est injuste? Disons un peu excessif. Alors, marché conclu? Si tu l'emportes, j'y mettrai fin et je te libérerai. Mais si je gagne, tu m'aideras à triompher de Typhon, quel qu'en soit le prix. Très bien. Puisse le récit de Phénix être ma rédemption. Oh non! Pas une de tes histoires! Combien de temps ça va? Mon récit débute en mer. Un navire chargé de soldats revient d'une campagne lointaine. Mais il est victime d'une tempête imprévue. La mer est démontée. Ils sont fauchés par les vagues. La ligne séparant le ciel de la mer s'est évanouie. Le sommet des vagues surplombe des vallées abyssales, aussi profondes que le Tartare lui-même. Dis donc, t'es fortiche pour les descriptions. C'est tout un art. Quoi qu'il en soit, le navire était perdu.
À l'aube, le soleil se leva sur les quelques rescapés. L'âme la plus humble, dont la tâche était de porter le bouclier, rêvait de bataille, mais n'avait jamais connu le tumulte. Attends, ne me dis pas que... Un beau corps de rêve. Un visage comme... Tu sais, un visage... Oh. Des cheveux comme... une peau de pêche. Des sourcils... La tempête! Me réveiller! Il faut que je me réveille! Là, je le vois comme en plein jour. Le plus humble d'entre eux était un porteur de boucliers, rêvant de bataille, mais ignorant le tumulte de la guerre. Un être de conte plutôt que d'action. Phénix. C'est quoi ce nom, Phénix? Phénix, d'où ça sort? On dirait le bruit que ferait un oiseau qui s'enflamme tout seul. Ce qui est un concept un peu ridicule, hein, pour ne pas dire pire. Je vais quand même noter ça quelque part. C'est ainsi que Phénix s'éveilla sur une grève inconnue. Loki à gauche! Capitaine! Quelqu'un m'entend? Le seul moyen de quitter cette plage est de gravir cette falaise. Phénix vit au loin son capitaine et ses frères d'armes. La lumière lui joue en détour, il aurait juré qu'il l'appelait par de grands gestes. Phénix, encore toi! Tu n'es peut-être pas ton frère Léguéron, mais je ferai quelque chose de toi. Tiens bien mon bouclier, et ne le lâche pas cette fois. Je ne t'ai pas vu là-bas. Ne fais pas attention à eux, ils sont jaloux, c'est tout. Faut pas leur en vouloir, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un frère comme le tien. Lokagos! Lokagos, tu m'entends? Tu es tout froid. Quelle peut être cette magie? Léguéron! Où es-tu, mon frère? Perdu et désarmé, Phénix était vulnérable.
Je dois garder mon calme et appliquer ce que j'ai appris. L'épée de mon frère. Non ! Ligiron ! Mon frère. Tu as toujours été mon héros, mon étoile polaire. Je te ramènerai. Je le jure. Phénix n'avait jamais eu le droit de tenir l'épée sacrée, ce cadeau d'Achille. Elle lui parut parfaitement équilibrée, comme si on l'avait façonnée pour lui. Une épée offerte par Achille ? Son frère devait être doué pour le combat. Pourquoi dis-tu cela comme ça ? Parce qu'à moi, il m'a jamais donné d'épée. C'est tout. Phénix leva les yeux. Il n'était pas seul. Par les dieux ! Reculez ! Il brandit son épée pour sa première bataille. Phénix sentit l'entraînement lui revenir à l'esprit. De là-haut, je devrais pouvoir observer la région. C'est la plus grande statue d'Hermès que j'ai jamais vue. Je me demande qui a pu l'ériger. Cerné par les défis, absolument seul, le jeune héros était résolu à sauver ses compagnons et son frère. Oh, c'est lourd. Allez, la suite. Non, c'est important. Cela établit une atmosphère. Hermès, mon vieil ami, c'est un honneur de te rencontrer, enfin. Mais ne répète à personne que je t'ai parlé. Chez moi, on me reproche déjà de mémoriser les récits plutôt que de travailler la terre, alors... Et les autres soldats, eh ben... ils sont vraiment pas du genre à apprécier les belles histoires. Qu'est-ce que c'est ? Ça a l'odeur à la fois du miel, du premier jour de printemps, et de mon premier baiser. Phénix se met en plus à l'ambroisie ! Prométhée ! Tu as peur de perdre ce pari, Zeus ?
Oh, il ne peut rien en faire de toute manière. Pour l'instant. La destinée de Phénix devint alors plus claire. Bon, jusqu'ici, tu ne me montres qu'un mortel a pris un seul combat. Et je te signale gentiment pour l'instant que Typhon devient de plus en plus fort. Ne te moque pas de moi, Prométhée. Je te jure que ce guerrier sera l'instrument de notre salut. Car s'il échoue, et si Typhon nous bat, le monde sombrera dans le chaos. Zeus, roi des dieux. Un temple d'Apollon. Si j'y trouve un oracle, il pourra m'aider à déjouer cette malédiction. Un griffon ? Il n'existe pas ! Lâche-moi ! À l'aide ! Hé ! Je vais te sauver ! J'arrive ! Il faut que je trouve le moyen d'atteindre cette faille. Comment descendre ? L'étang ! À chacun de ses pas, Phénix sentait la lame de Lygiron, sa masse lui rappelant le poids des responsabilités. Tu lui as offert ton épée ? Oh, Achille ! Je voulais te demander, pourquoi quelqu'un recevrait-il une épée de la part d'Achille ? En cadeau. Une offrande normale, de la part de quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, qui vous considère, hein, et qui vous porte de l'affection. C'est tout. J'avais laissé une rose sur son plastron. Excuse, j'ai une poussière dans l'œil. Vas-y, roule. Contrairement à la chair humaine, laquelle s'était vue transformée en marbre, celle des grenades s'épanouissait hardiment, gorgée de vie. Je trouve ça bien poétique pour quelque chose qu'on se colle dans la bouche. C'est un peu le but des meilleures poésies, non ?
Mais qui vous a fait ça? Bon, Prométhée, ça suffit, les scènes de Chouin avec les mortels. Un peu d'action, là. Entendu. Ah bah voilà, là c'est mieux. L'adamant, laissé par les sbires de Typhon, fut attiré vers Phénix. Ce métal des dieux souhaitait être forgé en quelque chose de plus noble. Je dois nager jusqu'à l'autre côté. Tu m'entends là-dedans? J'arrive! J'ai trouvé ta hache! Phénix s'approcha de la hache, ayant senti qu'elle l'appelait. On dirait la hache d'Atalante. Ce doit être une copie. Quoique... Mais avant que Phénix ait pu la saisir, la hache fut attirée dans le trou par une force terrible. À ma porte. Personne. Tu crois que je vais me laisser avoir par ce vieux tour? Je ne suis pas né de la dernière pluie, je connais. Entre chez moi, dit le cyclope au marin. Eh ben voilà, c'est terminé pour Phénix. Formidable, hein, comme histoire. Bon, il y a 2-3 longueurs, on va pas se mentir, hein. Mais je m'attendais pas à cette fin. Donc, voilà. Il est temps que tu me donnes un coup de main face à Typhon. Wow, mais l'histoire n'est pas finie. Loin de là. Quel était ce lieu étrange? Le Tartare. Mais où exactement était arrivé Phénix? Le Tartare, le gouffre pourri où j'ai enfermé Typhon. Il a dû ouvrir des failles vers les cryptes des enfers quand il s'est échappé. Je le sais, tu le sais. Alors autant le dire. Phénix était dans le... voilà. Je te hais. Tu n'aimes pas le suspense? Non. Allez, continue. Voyons si tu peux triompher de mon défi.
Ou si tu finiras comme tous les autres. Qui es-tu ? Eh oh ! Des ailes ? En les caressant de la main, Phénix remarqua qu'il manquait des morceaux, comme si quelqu'un les avait arrachés. Ce ne sont pas des ailes naturelles. Je me demande comment elles fonctionnent, si elles fonctionnent. Vraiment ? Enfin presque ! La hache ! La hache d'Atalante. La meilleure chasseresse. La plus rapide des héroïnes. Vaincue par Typhon. Je l'avais pas transformé en lionne. Tu as transformé beaucoup de gens en beaucoup de choses. Faut vraiment que j'arrête de picoler. Tu es toujours là. Je sens quelque chose d'autre en toi. Mais c'est l'un de mes éclairs ! Dispersé, dissimulé par Typhon. C'est fini ! Un tas de cendres, le petit Phénix. Il n'y a que moi pour résister aux éclairs. Ah, vraiment ? Une réplique de la foudre de Zeus ? Je le crois pas ! Le pouvoir envahit Phénix. L'intensité était incommensurable. Ah, qu'est-ce qui m'arrive ? Adieu, mortel. Mais, d'un seul coup, tout s'arrêta. Non ! Les ailes absorbèrent la foudre. Elles étaient conçues pour résister aux orages. Mais c'est pas possible, ça. Et pourtant, nous n'en étions qu'au début. Ayant survécu à sa plongée dans l'abîme du Tartare, Phénix ressortit victorieux. Pour l'instant.
Où est passé l'étranger que je poursuivais? Grâce aux ailes, il pouvait traverser l'ancien pont et le découvrir. À sa place, je ne mettrais pas ce genre de truc. Va savoir où ça a pu traîner, ça. Bien des soirs, Phénix avait conté les récits d'un génie. Un inventeur nommé Dédale et de ses ailes extraordinaires. Peut-être que quelqu'un les a recréées, se dit-il. Super! Ah mais... peut-être qu'elles sont maudites. Je viens à ton secours! Tiens bon! Si seulement Ligiron était là. C'est lui le héros célèbre, pas moi! Qu'est-ce que je vais faire? Endormir les créatures du Tartare en leur racontant une histoire? Pièce étrange, portant la marque de Caron. Typhon les a volés aussi ? Caron économisait pour construire un pont. Gorgones ? Elles existent ? Quelle est cette lueur ? Peut-être qu'en approchant discrètement...
Ces brassards, je les ai déjà vus en dessin. C'est impossible. Et pourtant, Héraclès, le plus puissant des mortels, le tueur de bêtes, a défié Héra et réalisé l'impossible en portant ses brassards. Dorénavant, ils appartenaient à Phénix. On appelle ça de la chance. Arrêtez ! Là, par ici ! Affrontez plutôt quelqu'un qui est armé ! Ainsi, Phénix, après avoir triomphé de la Gorgone qui avait attaqué Héraclès. Qu'est-ce que tu fais, là ? Cette chose ? Avec ta voix. Héraclès ? Oui, c'est quoi ça ? Ben oui, c'est comme ça que ça se prononce. Ça a l'air épuisant. Un coup à s'esquinter la santé. Sauf que je suis immortel. Ça va, pas la peine de le rappeler. Dieu, j'ai l'impression de pouvoir soulever une montagne. Si seulement ces brassards pouvaient déplacer celle-ci. Non, mais vous voulez pas vous embrasser non plus. Huh?
a quelque chose là-bas. Tomber là-dedans. Je vais te sauver! Je te le promets! Alors, il y a quand même une chose qui m'échappe. Au lieu d'aller consulter l'oracle au temple d'Apollon, Phénix a préféré suivre cet étranger-là. Phénix, qui a bon cœur, a souhaité venir en aide au mystérieux étranger, mais n'a jamais perdu de vue le fait qu'il approchait du temple d'Apollon et d'une solution permettant de lever la malédiction pesant sur son frère et ses compagnons d'armes. Ah oui, rappelle-moi d'effacer mes défauts par une formule. Zeus, qui a bon cœur, a tué sa première épouse en l'amenant à se transformer en mouche avant de l'avaler. Quoi ? C'est ce qui est arrivé à Métis ? Je la croyais chez sa sœur à Babylone. Oups. La marque d'Ithac, Ulysse. Petit, manier le pouvoir réclame plus qu'un adroit jeu de jambes. Voyons si tu sais le contrôler. Qui es-tu ? Montre-toi !
des cibles paraissait assez facile à atteindre. Mais la troisième exigeait la concentration d'un grand archer. Non mais oublie. Aujourd'hui les gens savent plus concentrer. C'est le déficit de l'attention, l'hyperactivité, tout ça. Tout cela de la bouche du dieu qui considère une amourette d'une semaine comme une relation de longue durée. Garde la main ferme, et tu survivras peut-être, mon petit. Doté de l'agilité d'Achille, de la vitesse d'Atalante, de l'esprit d'Ulysse et de la force d'Héraclès, Phénix était prêt à affronter tout ce que lui réservait l'avenir. Quoi ? C'est tout ce qu'il a pour lui ? Ah bah, bon courage.